Le jour du 9 av et le jour du Taanit, on ne dit pas, on évite de dire bonjour, de dire shalom. D'après certains, le mot bonjour n'est pas interdit. Mais bon. Le 9 av est un jour très, très triste. Certains disent même que on se prépare à la tristesse et au deuil du 9 av pendant une semaine, pendant 8 jours, pendant 3 semaines. Ce jour-là, on a perdu les deux Beth Amikdash. Et non seulement on a perdu, il y a encore bien d'autres choses. On a perdu le Beth Amikdash, mais d'une manière très 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 difficile à supporter, d'une manière très très dure. Et on peut se demander pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien entendu, on ne ressent pas suffisamment le deuil, le pourquoi du deuil. Alors on va essayer, durant les quelques minutes qui sont à notre disposition, on va essayer de voir quelques midrashim sur la dureté de ce qui s'est passé à l'époque. Et bien entendu, l'essentiel, on va essayer de réfléchir sur les causes de cette destruction, de ces destructions, et bien entendu sur les leçons à en tirer. Le Midrash dit la chose suivante. Amar Rava. Massa shloshmeot pradot kardumot shel barzel sholet be barzel. Shalach lo Nevuchadnetzar le Nevuzradan. 300 pradot. 300 ânes femelles chargées de haches fabriquées avec un métal très 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 solide a envoyé Nebuchadnezzar, le roi de Babel, à Nebuzradan, qui était donc le chef des armées. Donc des milliers et des milliers de haches pour détruire Yerushalayim, pour détruire la muraille de Yerushalayim, afin de pénétrer et brûler et tuer tout ce qui se trouvait à l'intérieur de la ville. Nevuzredan, donc, s'est dirigé vers Yerushalayim et a commencé avec ses soldats, à briser les murailles. Le Midrash nous dit que une après l'autre, alors littéralement, comme c'est marqué dans le Midrash, une seule des portes de Yerushalayim les a toutes avalées, les a toutes absorbées. Ça, c'est si on traduit littéralement. On peut expliquer également qu'elles se sont brisées. Lorsque Nebuzradan s'est aperçu de ce qui se passait, il s'est dit, c'est impossible. On ne pourra jamais pénétrer cette ville forte. J'ai bien peur qu'il m'arrive, comme il est arrivé à Sanhérib, le roi de Ashour. Le roi de Ashour, Sanhérib, est venu encercler Yerushalayim avec des milliers, des dizaines de milliers de soldats. C'était le jour de Pessah. Le lendemain matin, ils étaient censés donner l'assaut sur Yerushalayim. Le lendemain matin, aucun des soldats ne s'est réveillé. Kulam pegarim metim, comme c'est marqué dans le verset. Tout simplement, Hachem a fait un miracle. Ils se sont tous étalés par terre. Et au lieu de se réveiller, ils se sont tous transformés en pegarim metim, en cadavres.
Akadosh Baruch Hu, c'était au temps de Chizkiyahu HaMelech. Donc, Nebuzaradan a eu peur. Il s'est dit, si je poursuis mon attaque sur Yerushalayim, je crains qu'il m'arrive comme il est arrivé à Sanhérif. Et il a voulu faire marche arrière. Le Midrash poursuit et dit, il a entendu une voix qui lui a dit, ne fais pas marche arrière, vas-y, continue. Et en effet, Yatsa Batkol Ve'amar, Kfotz, Sheigiaz Mano Shel Avet Amigdash, Shel Amigdash Ticharev, n'aie pas peur, vas-y, avec la dernière hache qui te reste, tu réussiras à pénétrer dans Yerushalayim. Et en effet, nous dit le Midrash, Nishtayer lo gardom echad, avec la dernière hache, il a donné quelques coups et la muraille s'est brisée, s'est ouverte et il a réussi à pénétrer dans Yerushalayim. Vehaya oreg veoler. Et avec cette hache, et bien entendu avec les armes de ses soldats, tous ceux qui se trouvaient sur son chemin, Horeg veolech, ad sheigia la hechal. Toute âme vivante sur son chemin a été tuée. Jusqu'au moment où il est arrivé au Echal, au Bet Amigdash, il a mis le feu et il a levé la tête vers le haut comme pour dire j'ai réussi. Zaha da'ato, il a eu un peu d'orgueil, un peu beaucoup même. Il y a une voix qui est sortie du ciel et qui a dit « Yatz'a bat kol v'amralo am harug haragta » Tu as tué un peuple mort. « Hechal saruf sarafta » Tu as brûlé un édifice, une construction qui était déjà brûlée. « Kemach tachun tachanta » Tu as moulu de la farine qui a déjà été moulue. Donc en fait, tu n'as rien fait. Si ce n'est, l'explication est donc la suivante, si ce n'est que les Béné Israël, les Juifs, méritaient la punition, tu n'aurais rien pu faire. Le Midrash poursuit et dit, Yatsa Kohen Gadol Elechlo, le Kohen Gadol est sorti de là où il se trouvait, pour voir ce qui se passait. Tafsu otosanim, les méchants, les Rechaim, l'armée de Nebuzaradan l'ont attrapé et l'ont égorgé dans la rue, comme ça, proche du Mizbeach, à l'endroit même où il avait l'habitude d'offrir des korbanot. Eh bien, on l'a égorgé. Makom she'aya makriv et atamid, à l'endroit même où tous les jours il offrait le korban atamid. Sa fille, qui a entendu ce qui se passait, elle est venue en train de crier, en train de pleurer, en train d'hurler. Ils l'ont prise et ils l'ont également égorgé. Lorsque les Kohanim et les Lévim qui se trouvaient proches du Beth Amikdash ont vu à quel point la destruction, jusqu'où la destruction avançait, Natlu et Akinorim vet Hatzotzerot venaflu ba'esh venisrefu. Ils se sont jetés dans le feu et ils ont brûlé. כשראו הבתולות שהיו הורגות בפרוכת, שנשרף בית המקדש, נפלו באש ונשרפו. Lorsque les betulotes, les jeunes filles qui ont participé à la confection des tentures, et plus spécialement de la parochette qui se trouvait dans le Kodesh et dans le Kodesh à Kodashim, elles ont vu leur travail partir en fumée. Elles se sont jetées dans le feu. Et le Midrash continue à expliquer que
Là où les ennemis, les méchants allaient dans Yerushalayim, ils égorgeaient tout le monde, ils mutilaient les gens, coupaient, comme on verra plus tard, il y avait des bras, des pieds, des doigts partout. Et comme on verra plus tard également, Yirmiya Navi, il marchait dans les rues et il voyait des enfants par terre. Il les embrassait, il voyait des gens pleurer. Il leur disait, si seulement vous aviez pleuré à l'époque, lorsque j'étais en train de vous parler, lorsque je vous disais ce qu'il faut faire, lorsque je vous disais ce qu'il ne faut pas faire, si seulement vous aviez pleuré un tout petit peu à l'époque, aujourd'hui, nous n'en serions pas là. C'est rapporté dans la Gemara, à l'époque du Beit HaMikdash, sur le pasouk dans Ishaïa. Pasouk très connu. Im tashiv mishabbat raglecha, asot chafatzecha biyom kotchi, vekarata la shabbat oneg, likdosh Hashem mechubad, vechibadoto me'asot derachecha, mimetzo heftzecha, vedaber davar. Le prophète écrit, Im tashiv mi Shabbat raglecha, si pendant Shabbat tu te reposes et tu ne t'occupes plus de chafatzecha, de tes affaires, beyom kochi, durant ce jour si saint, la Gemara explique à quoi fait allusion ici le prophète. Il marchait pendant Shabbat dans les rues de Yerushalayim, dans les rues en Israël, et il voyait sur les bordures des champs, il voyait des gens qui, pendant Shabbat, pressaient du raisin, pressaient des olives pour faire du vin, pour faire de l'huile. Pendant Shabbat, on disait, mais c'est Shabbat, c'est assour, c'est interdit. Akadosh Baruch Hu va se mettre en colère. Et certaines personnes ne l'écoutaient pas. Apparemment, beaucoup de personnes ne l'écoutaient pas. Et voilà ce que dit le pasouk. Im tashiv mi Shabbat raglecha. Si pendant Shabbat, tu cesses de faire travailler tes pieds, alors d'après le sens simple, la Gemara nous dit que ça fait allusion à ces gens qui écrasaient les raisins et les olives avec leurs pieds durant Shabbat. Mais la Gemara nous apprend d'ici plusieurs halakhot qu'on n'a pas le droit de marcher pendant Shabbat comme on marche pendant la semaine. On n'a pas le droit de courir de la même manière que l'on court pendant la semaine. Asot chafatzecha. Pendant Shabbat, on n'a pas le droit de s'occuper de nos affaires. On n'a pas le droit de parler de la même manière que durant la semaine. Vekarata la Shabbat oneg. On apprend de ce passage que pendant Shabbat, il y a une mitzvah de se réjouir, de se régaler. Likdosh Hashem mechubad, bien entendu. Vechibadoto me'asot derachecha. Et tu honoreras Akadosh Baruch Hu me'asot derachecha. En ne faisant pas ce que tu as l'habitude de faire pendant la semaine. Mimetzo heftzecha. Vedaber davar. On apprend des dizaines de halakhot de chacun des mots de ce pasouk. Rabbi David Kimchi, le Radak, dit dans son commentaire ici, aussi toutes sortes de choses que l'on apprend de chacun des mots. Shelo yehe diburcha shel Shabbat ke diburcha shel Chol. Klomar, si pendant la semaine, on a l'habitude de parler d'une certaine manière, eh bien pendant Shabbat, Sheyedaber beShabbat benachat. Pendant Shabbat, même lorsqu'il est permis de parler de certaines choses, alors qu'il y a des choses interdites, mais même lorsqu'il est permis de parler, benachat, Shabbat, on doit parler doucement, avec douceur. Donc même dans la manière de parler, on doit ressentir le Shabbat.
Veyemaet bidvarim. Parler le moins possible. Vedaber davar. On apprend de là que penser c'est permis. La Gemara raconte à propos de la maman de Rabbi Shimon Bar Yochai qui parlait pendant Shabbat. Elle parlait un peu plus que ce qu'il ne fallait. Rabbi Shimon Bar Yochai lui a dit, maman, c'est Shabbat. Elle ne disait sûrement pas de mensonges. Elle ne disait sûrement pas de la Shonara. Elle ne se moquait sûrement pas de personne. Mais elle parlait. Shabbat, c'est le jour où on doit complètement s'effacer. On doit s'effacer devant Hachem. On doit s'effacer, non pas pour s'effacer, mais pour faire place à Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas être plongé dans ce monde et parallèlement reconnaître la grandeur d'Hachem. On a besoin, c'est inévitable, de marquer un repos, de cesser toute activité pour être, bien entendu, très absorbant et être absorbé par la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Celui qui transgresse le Shabbat, chacun à son niveau, celui qui transgresse le Shabbat s'empêche de voir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et bien entendu, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, chacun à son niveau se prendra pour un dieu. Et voilà pourquoi celui qui transgresse Shabbat est considéré comme s'il faisait Avodah Zara. C'est l'idolâtrie. Qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie? Donner de l'importance à une autre force que Hachem. Et voilà pourquoi dans les versets ici de Yesharia, on met l'accent sur Im tashiv mi Shabbat raglecha. Le Shabbat, c'est très très important. C'est non seulement important, mais c'est la porte, c'est la mitzvah la plus essentielle dans la Torah. Parce que cette mitzvah nous apprend à nous effacer. Elle nous apprend à s'effacer devant la grandeur d'Hachem. Et bien entendu, afin que les 6 jours de la semaine à venir, on puisse les passer en paix. Shabbat, shalom. En paix, ça veut dire quoi en paix? On ne va pas contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu. On est en harmonie avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Si pendant le Shabbat, il y a le shalom, c'est-à-dire cette harmonie entre nous et Akadosh Baruch Hu, chacun à sa place, eh bien il y aura le shalom pendant toute la semaine. Likrat Shabbat lechu venelcha. Le Shabbat, c'est la source de la Beracha. Pourquoi? Parce que si pendant Shabbat, on est conscient que tout vient d'Hachem et que l'on ne fait rien pendant Shabbat, on cesse toute activité pour être conscient que tout vient d'Hachem, et bien pendant la semaine, il y aura la plus grande Beracha. Le Radak rapporte ici Chassidim Arishonim Nafalpiken Chassidim Nizharim Afilu Meirhur. On a vu que pendant Shabbat, on n'a pas le droit de parler de certaines choses. Mais penser, c'est permis. Penser à ses affaires, c'est pas interdit. La Gemara rapporte, il fait ici, donc le Radak fait allusion à cette histoire. Un grand tzaddik revenait du Beit HaKnesset où il marchait dans la rue pendant Shabbat et il a longé le mur de son jardin, de son champ, et il s'est aperçu que il y avait un trou. Quelques pierres sont tombées et donc il y avait un trou. Il a pensé, il s'est dit, bon, après Shabbat je vais réparer. Il s'est tout de suite repris, il s'est dit, comment
J'ai pensé à réparer mon mur pendant Shabbat. Eh bien, je ne le réparerai pas. Il n'a rien fait d'interdit. Il n'a rien fait d'interdit. Non seulement le fait d'avoir pensé, ça n'était pas interdit, et le réparer après Shabbat, c'est permis. Mais il s'est dit, j'ai pensé à quelque chose d'interdit pendant Shabbat, je ne le réparerai pas. Et en effet, il ne l'a pas réparé. La Gemara nous raconte dans Maseret Shabbat qu'il y a eu un nes, un miracle. Et à l'endroit même du trou dans le mur, il y a eu un arbre qui a poussé, un arbre de figues, un figuier, qui a poussé et qui a complètement bouché le trou qu'il y avait dans le mur. Et la Gemara nous dit que jusqu'à la fin de ses jours, il a obtenu sa parnassa grâce aux figues de cet arbre. Donc il a été doublement récompensé. Le mur a été bouché, le trou a été bouché. Et grâce à cette action, à cette grande action, bien entendu qu'il n'était pas une obligation, qu'il n'était pas, c'était pas quelque chose d'interdit, il a mérité d'avoir sa parnassa grâce à ses figues jusqu'à la fin de ses jours et il l'a fait hériter ce figuier à ses enfants. Qu'est-ce qu'on voit de là? Que parfois, si on veut la bracha, et même assez souvent, on veut la bracha, mais malheureusement, on se suffit du strict minimum. On n'est pas conscient qu'il y a encore énormément de choses à faire. Regardons ce chassid. Il n'a pas transgressé le Shabbat. Mais il était tellement sensible à l'importance du Shabbat, qu'il s'est retiré. Et il a dit, non, je ne vais pas réparer. Eh bien, il a été récompensé. C'est bien pour nous montrer, on rapporte donc ici cette histoire, pour nous montrer l'importance des mitzvot, et surtout l'importance du Shabbat. On fait tous le Shabbat, on respecte tous. Mais est-ce qu'on le fait suffisamment, suivant nos efforts, suivant notre possibilité? Est-ce qu'on ne peut pas faire plus que ce que l'on fait? Et là, c'est le secret de la bracha. On entend autour de nous tellement de personnes qui ont des problèmes, tellement de personnes qui exigent et qui veulent et qui ont des soucis et qui veulent, etc., etc. Mais est-ce que ces gens-là sont vraiment conscients que, de leur part, il y a encore des petits efforts à faire? Cette histoire nous le prouve. Plus on fait des efforts dans l'accomplissement des mitzvot, et plus on va mériter la bracha. Plus on va mériter. Regardez ce chassid, ce tzaddik, il a pensé. Et Hachem l'a récompensé. Et c'est ça le sens du pasouk. Im tashiv mishabat raglecha. La destruction du Beth Amikdash, comme on dit dans le Moussaf, on le dit dans le Moussaf de Rosh Chodesh, dans le Moussaf des fêtes, dans la prière de Moussaf, où mi penecha ta'enu galinu me'arzenu ve'nitrachaknu me'admatenu. À cause de nos fautes, on a été éloigné de notre terre. On a été éloigné du Beth Amikdash. Ve'en anachnu yecholim la'asot chovotenu mipene hayad shenishtalcha b'mikdashcha. On dit clairement, au moins une fois par mois, et durant toutes les fêtes dans le Moussaf, à cause de nos fautes, on a été rejeté de Yerushalayim. On a été rejeté du Beth Amikdash.
Et le Beth Amikdash a été brûlé et détruit. C'est à cause de nos fautes. Bien entendu, comme on vient de voir avec ce tzaddik, Hashem tzincha. Lorsque l'on fait des efforts pour Akadosh Baruch Hu, il en fait pour nous et il nous envoie la bracha et la récompense. Mais malheureusement, lorsque l'on ne fait pas des efforts, on ne peut pas avoir de bracha. C'est très difficile. Alors c'est vrai que parfois, on peut rencontrer des personnes qui sont loin, qui sont loin, qui sont dans le mal, et qui a priori ont de la bracha. C'est vrai, c'est une question qui a été posée par Moshe Rabbeinu sur le Har Sinaï. On va laisser ça de côté pour l'instant. Mais ce qui est certain, comme c'est marqué dans le Passouk, Im bechukotai telechu. Si vous suivez mes préceptes, vet mitzvotai tishmeru. Alors, venatati gishmechem beitam. Je donnerai vos pluies, etc., etc. Vous aurez de la bracha. Venatati shalom baaretz. Il y aura la paix en Israël. Ushchavtem ve'en macharid. Vous irez dormir sans avoir peur. L'épée ne passera pas dans votre pays. Non seulement l'épée de l'ennemi qui voudra vous faire du mal, mais même, le Midrash dit, même une armée qui voudra passer à travers votre pays pour aller ailleurs, même une telle armée ne passera pas. Urdavtem et oyvechem. Vous poursuivrez vos ennemis, venaflu lifnechem le charev, et vous les vaincrez. Veratfu chamikem chamisha mea. Ce sont des versets dans la Torah. Vaikra, chapitre 26. Cinq d'entre vous feront peur à 100 ennemis, et 100 d'entre vous feront peur à 10 000. Venaflu oyvechem lifnechem lecharev. Et vos ennemis tomberont devant vous. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Les ennemis du peuple juif n'ont pas peur du peuple juif. Donc il y a un problème. Où est le problème? Pourquoi? La réponse, elle est Im bechukotai telechu. Chacun à son niveau a le devoir de s'améliorer dans la pratique du Shabbat, dans l'étude de la Torah, l'étude de textes, lire des livres, assister à des cours. Ça ne pourra pas fonctionner autrement. On le dit tous les jours dans le schéma. On a l'obligation de lire le schéma 2 fois par jour. Vehaya, im, shamoa, tishmeu, el mitzvotai, asher, anochi, metzave, etchem, hayom. Si vous écoutez mes mitzvot, venatati, esef, besadecha, livhemtecha, veachalta, vesavata. Rien ne te manquera. Mais attention, ishameru lachem, pen, yifte, levavchem, vesartem, vaavadetem, elohim, acherim. Vous irez dans une autre direction. Alors, et on a le devoir et l'obligation de le dire tous les jours pour ne pas oublier. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il y a une seule vérité, Echad. On rentre à la maison, on embrasse la mezouza pour ne pas oublier que on ne rentre pas chez soi, on rentre chez Hashem. Et c'est ça le message de Yishaya Hanavi. Im tashiv mi Shabbat raglecha. Si pendant Shabbat, tu cesses toute activité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si pendant Shabbat, une fois par semaine, tu arrives à ce niveau de t'effacer complètement devant la grandeur d'Hachem, d'être bien conscient que tout ce qui se passe pendant la semaine, c'est uniquement grâce à la volonté d'Hachem. Et que
ce qui se passe pendant la semaine, c'est uniquement parce que tu es le serviteur d'Hachem. Et on est soumis à sa volonté. Eh bien, il y aura le shalom, il y aura la bracha. Comme le verset suivant le dit. Az titanag al Hachem. Alors, tu mériteras de profiter de la récompense d'Hachem. Virkavticha al bamot haaretz. Je te placerai dans les plus hautes bamot haaretz, dans les plus hauts endroits. Plusieurs explications sur ces mots, mais c'est-à-dire que tu seras en hauteur. Tu ne seras pas rabaissé, chas v'shalom. Tu mériteras nachala, l'héritage de ton père Yaakov. Nachala belim et tsarim, explique Rashi. Un héritage sans limite. Une bracha extraordinaire. Malheureusement, le Beth Amikdash a été détruit. Pourquoi ? Parce que les gens suivaient leur Yetzer Hara, ne faisaient pas, n'étudiaient pas suffisamment. On va en parler tout de suite. Ne faisaient pas les mitzvot. Il y avait beaucoup de Torah, c'est vrai, à l'époque. Beaucoup de Torah, beaucoup de mitzvot. Mais il y avait aussi beaucoup de chas v'shalom de fautes. Écoutez cette histoire qui est rapportée dans le Midrash. C'est vrai qu'on fait tous des efforts. On fait tous des efforts. Mais on peut en faire encore plus. Et si on peut en faire encore plus, il faut le faire. Ça n'est pas suffisant. Si on veut mériter une délivrance, si on veut mériter ces atrocités, que ces atrocités ne se reproduisent plus, eh bien, il faut faire des efforts. Rabbi Yossi à Galilée, écoutez bien ce midrash. Aïtalo Isha Ra'a. Rabbi Yossi à Galilée avait une femme très très méchante. Isha Ra'a. Ve'aïta Batachoto. C'était sa nièce, la fille de sa sœur. Il était marié avec elle. Et elle lui faisait énormément de mal. Elle lui faisait honte. Non seulement elle lui faisait honte, mais même devant ses élèves, elle lui faisait honte. Et il supportait. Un beau jour, ses élèves lui ont dit, « Rav, il faudrait que tu t'en sépares de cette femme. » Il lui a dit, il a répondu à ses élèves, je ne peux pas la divorcer. Je ne peux pas m'en séparer. Si je m'en sépare, je devrais me séparer également d'une très grande somme d'argent. La somme qui est mentionnée, qui figure dans la Ketouba, est une très grande somme. Ukshayada Rabbi Elazar ben Azaria Bekar. Lorsque Rabbi Elazar ben Azaria a entendu ce qui se passait, il a dit, oui, tu es obligé de t'en séparer. Ça dépassait les limites. Écoutez bien cette histoire. Il lui a dit, mais je ne peux pas, la Ketouba, c'est une somme faramineuse. Rabbi Elazar ben Azaria lui a dit, écoute, il n'y a pas de problème, tu vas la divorcer. Elle est tellement mauvaise et moi, je vais te payer la somme de la Ketouba. Je t'offre la somme en question. Et en effet, il s'en est séparé et Rabbi Elazar ben Azaria lui a donné la somme. Il était très très riche. Vegarmu avonot shel ota isha. Cette première femme, et donc Rabbi Yossi à Galilée s'est remarié avec une femme, tzadeket. Cette première femme s'est remariée avec
un des gardiens de la ville. Et malheureusement, ce gardien est devenu aveugle. Il ne voyait plus. Et lorsqu'il marchait dans la rue, elle l'accompagnait, elle le tenait par les bras pour aller ici et là. Un jour, la Gemara raconte, ils étaient proches du quartier où ils habitaient auparavant. Et le mari s'aperçoit que sa femme lui fait faire un détour. Et pas seulement une fois, chaque fois qu'ils arrivaient proches de l'endroit du quartier où Rabbi aussi à Galilée habitait, son premier mari, elle lui faisait faire un détour. Alors le mari disait à sa femme, « Mais pourquoi à chaque fois que l'on arrive dans ces alentours-là, tu m'empêches d'avancer tout droit et tu me fais faire un détour ?» Je veux aller dans ce quartier. Et elle lui dit, mais pourquoi? Il dit, parce que dans ce quartier, il y a un grand tzaddik. Ce tzaddik, c'est Rabbi Yossi à Galilée. Et Rabbi Yossi à Galilée aime faire la tzedaka. J'ai besoin de sa tzedaka. On a des besoins. La femme dit à son mari, mais tu sais que Rabbi Yossi à Galilée, c'était mon mari, c'était mon premier mari. Donc je ne veux pas m'approcher de ce quartier-là. Je ne veux pas le voir. Enbi koar. Un jour, ils n'ont pas fait attention et ils se sont retrouvés dans la rue de Rabbi Yossi à Galilée. Et ils se sont disputés. Il a commencé à lui crier dessus. Tout le monde a entendu. Et non seulement tout le monde a entendu, mais il s'est mis à lever la main sur elle. Rabbi Yossi à Galilée a entendu ce qui s'est passé. Il est sorti à leur rencontre et il s'aperçoit de son ancienne femme avec son nouveau mari dans une situation vraiment épineuse. Il dit, pourquoi tu frappes ta femme? Pourquoi tu la frappes? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Eh bien, il lui dit, écoute, Rav, chaque jour, lorsque l'on arrive dans ce quartier, jamais elle veut que l'on pénètre dans ces rues-là. Et donc, à cause d'elle, on a des problèmes de Parnassa. Et la tzedaka que je peux obtenir dans ces rues-là, à cause d'elle, on ne peut pas la voir. Lorsque Rabbi Yossi à Galilée a entendu, écoutons bien, lorsque Rabbi Yossi à Galilée a entendu les paroles du mari aveugle en question, qui s'est donc remarié avec sa première femme, les kacham, il les a pris par les bras, entre guillemets, et il leur a prêté, il leur a donné même une maison. Bien entendu qu'il avait non loin de là. Vehaya mefarnes otam kol yeme chayehem. Et jusqu'à la fin de leur jour, il leur a donné de l'argent tous les mois afin qu'ils aient leur parnassa sans souffrance, sans tourner dans les rues, sans subir de honte à aller mendier de l'argent. Al-Shem ou mi-bebsarcha lotit-alem. Regardez la grandeur de Rabbi Yossi à Galilée. Cette histoire, elle est rapportée sur le pasouk dans Ishaïa. Lorsque le prophète dit au Ham Israël, est-ce que vous pensez qu'Hachem a besoin de votre ta'anit, de jeûner le 9 Av, de jeûner le 17 Tammuz,
de jeûner le 10 Tevet, de jeûner le jour de Guédalia, de jeûner le jour du Ta'anit Esther. Hachem n'a pas besoin du jeûne. Ce n'est pas une fin en soi. C'est uniquement un moyen. Un moyen pour quoi ? Un moyen pour faire teshuva. C'est un jour où on ne doit pas manger. On doit se couper du monde afin de pouvoir bien réfléchir. Et bien entendu, si on ne réfléchit pas, alors le ta'anit ne sert à rien. On a fait peut-être une mitzvah de faire le ta'anit, mais l'essentiel n'est pas là. Et le pasouk nous dit, « Halo, paros la ra'ev lachmecha, voilà ce qu'Hachem veut de toi pendant le jeûne. » C'est pas de vous asseoir par terre, de déchirer ses habits, de ne pas manger, de ne pas boire, d'éteindre les lumières, d'être triste. Si le lendemain, le train de vie ne change pas, on n'a rien gagné. Voilà ce qu'Hachem veut. Alozé tsom evhareu, voilà le jeûne que je veux, dit Akadosh Baruch Hu. Pateach harzubot resha, abandonner ses mauvaises habitudes. Penser aux personnes nécessiteuses. Va'aniyim merudim tavi bait, être sensible aux besoins des autres. Ki tir'eh arom vechisito, ou mi besarcha lo tit'alam. Mi besarcha lo tit'alam, c'est-à-dire ne pas être insensible face aux besoins de ceux qui nous entourent, que ce soit nos voisins, nos amis et surtout les membres de notre famille. Combien de maris abandonnent leurs femmes, entre guillemets, ne sont pas sensibles à leurs besoins, aux besoins de leurs enfants. C'est vrai que d'un côté, il y a la parnassa, mais d'un autre côté, mi besarcha lo titalam. Regardons Rabbi Yossi à Galilée. C'était sa nièce. Il était marié avec sa nièce. Et elle était tellement mauvaise qu'il n'a pas voulu la divorcer. Pouvait pas. Mais finalement, il a divorcé. C'est que vraiment, elle était mauvaise. Et tous les chachamim de l'époque lui ont dit de la divorcer. Et il s'en est séparé. Mais lorsqu'il l'a vu, qu'elle était dans le besoin, il n'est pas resté insensible. Aujourd'hui, quand il y a des séparations, dans certains cas, chacun des adversaires essaye de faire les pires des choses à l'autre. Rabbi Yossi Galili, il a eu un cœur pur, un cœur sensible, un cœur tahor, il a fait de la tzedaka. Mais non seulement il a fait de la tzedaka, il leur a donné une maison. Et tous les mois, un virement pour qu'ils se sentent bien. Et à qui il a fait ce virement ? À son ancienne femme, mauvaise, qui lui faisait honte. Et apparemment, il n'avait rien à se reprocher à Rabbi Yossi Galili. Il était mauvaise. Ça, c'est la tzedaka. Ça, c'est une définition de ce que l'on appelle accomplir les mitzvot. Ne pas se suffire du strict minimum. Alors, on peut faire de la tzedaka. Quand on vient nous demander, on donne une pièce. Mais ce qu'on veut de nous, en ces jours si difficiles, où la haine contre le peuple juif se déverse à tout bout de champ, ce qu'on veut de nous, c'est faire des efforts. Ne pas se suffire du strict minimum. Et c'est la même chose lorsqu'il s'agit de tzedaka. C'est la même chose lorsqu'il s'agit du Shabbat. On fait le Shabbat. Mais est-ce qu'on fait suffisamment correctement bien le Shabbat? Le Mishnah Berurah rapporte dans l'introduction à son livre, au nom de Rabbi Yonatan Haïveshitz, tout celui qui n'étudie pas quotidiennement les halachot de Shabbat ne pourra pas respecter
correctement le Shabbat, inévitablement, on transgressera le Shabbat. Il faut étudier. Il y a des choses à savoir. Il y a des dizaines et des centaines et des milliers de détails à connaître. Alors bien entendu, on ne peut pas tout connaître en un seul jour. Petit à petit, étudier les lois du Shabbat. On veut tous de la bracha. On veut tous que Hachem nous envoie le Mashiach. On veut tous que Yerushalayim se reconstruise. On veut tous de la bracha. Une bracha! Mais est-ce qu'on ne fait pas tout pour perdre cette bracha? C'est marqué dans le pasouk. Arour, make re'e'u basater. Dans la parashat Kitavo, dans le Sefer des Varim, dans les malédictions qui sont rapportées, Arour, Aïch, Achaïa, Sefeselou, Masecha, etc., etc. Arour, make re'e'u basater. Ve'amar kol ha'am, amen. Maudit soit celui qui frappe son ami basater en cachette. Il y a toute une série de harour. Harour, c'est exactement l'inverse de barour. La Gemara nous explique. C'est quoi harour? Bakere ou basater. Il s'agit de celui qui dit du lashon hara. Parce qu'il est dans une pièce, il est dans un endroit caché, il parle avec son ami, ou bien même au téléphone, et il dit du mal de l'autre. Il dit, quelle que soit la phrase qu'il va dire, qui peut engendrer du mal, qui peut engendrer qu'on pense du mal de l'autre, c'est du lashon hara. Arour bake re'e'u basater, nous dit la Torah. Celui qui agit de cette façon, il est harour. Il aura beau payer pour obtenir les plus grandes brachot. Ça ne servira à rien. Il aura beau aller chez le plus grand mekoubal, s'il y en a, ça ne servira à rien. Harour, si tu veux une bracha, Hachem nous dit dans la Torah, tu veux ne pas être harour, tu veux être barour. Baruch Asher Yakim et Divrei HaTorah Azot. C'est marqué Arur Asher Lo Yakim et Divrei HaTorah Azot. Et bien entendu, celui qui fait tout pour accomplir les mitzvot, qui se dit je ne sais pas, je vais faire, je vais étudier. On a vu ici un exemple de la tzedaka, la sensibilité que l'on doit avoir face aux besoins de l'autre. C'est vrai qu'on a nos besoins. Alors d'abord penser à ses besoins, aux besoins de sa famille, de sa femme, de ses enfants. Et ensuite, un peu penser aux autres. Beaucoup de bracha, de bonnes nouvelles et bonne fin de jeûne.